وكاذ إذا غدي تولين أثيكاذ إذا غدي تولين عندما مثلام سلام ربي ذا مقران في اللون أزول في اللون أما ذي ثمورثن الجزائر ثلام أما براف ثمورثن الجزائر أما ذرقاز نغتصمتوث أقشيش نغتقشيش مرحبا يسون أرتديان تبو الساقين أرتديان تبو الساقين قد نهضر في جنرال عثمان ترطاق نو مقارن بشير ترطاق إمين الساقين يغمي سنتمورثن الجزائر هضر نديرك فلاس يمي ديفان نغيمي قجا يوجد عريت فن ثو صفتيس نوجد عريت فن لا فيديوينس ساقين فاد نهضر ذا شو بغا اديني ونش ثقين الهضران اذا هضرن افيون ومقران نسيرفيس الدارس يسمو رام الدنيا الكلين ويديك تفن للسيرفيس دي رونسينيمون توسنن وكاديك تفن للسيرفيس دي رونسينيمون تفانن ماشي الحاجه تجدي طورسن ولكن كون يتمور ثنا كني ديفان لا تسوغونير كل لكن ديفان خد من فلاس ثمغرا إيمي أرجاز أم زوارون لديراس إيفاند كنا ساقين نبغى نزر أو كذي نبقى ونا غينسا نبغى نزر ذا شو قلان ذفير ونش تاقير كلي ونعرض أدنس بقين ثفاث أف ثمسال تاقي أبو الساقي أكن تاهم ثانو ميدي ثديانت نتساوي دا كود نغين في قاونا كوسن نسقر ذا شي تمسال تبواس الساقي ذا غني نسعى كود ناخرين في قاون أم زوارو ديك سن ديك مثنا حسن مثنا حسن لوصيف وكين ذا نغماس سي فرنسا أسيني غدي تازوارا مرحبا يسك أسلام أينك هيك مثنا حسن أسلام ون أزول بلا ون مرحبا يسك ويانا نتولي مدك في قد يدي تولي من التلفزيون المغربية بارك الله فيك مثنا حسن حسن الساقين ذي لابريس ذي الجزائر يعني غميس نتمورث من الجزائر يير كلين هضرند اف جنرال طرطاق امين ايديفان وريخ دي مرام ما كنك خدم ومزوارون انت جنرال توفيق اسقسينو ام زوارون ذا شو غيت تاغورينك تقولش تاكي ختيني يا حسن سمحي بون الا شويه كي تسمي زيني سوهم يعني ما هو لو باترون دو دي ار اس ايفاند اتوهم ايمين par rapport à la nature du régime algérien. Mais si j'ai eu le coup de notre nommé. Mais je vous ai dit une kiné. Ça me joue aussi. Bon, je vous ai dit que l'apparition est publique en Tartag. Fawahed, Oumbad, ça va être sous forme. On est gagné dans notre plus, le général Toufir. Le général Toufir. Et tu m'as dit. يخدم لا لتر القسان اللي يقلب وتفلي قان يروح دردك وفرنسا غادي داوية بور قارن بلي بور سيميفي لا فاكونس دو بوار افيك ليطا دو سونتي مثلا بوتفليقة وا بيان تسمى امزون كني بغا ندير فكان بلي ازدي فكان يتوفيق بلي كشيني نقيمض ود بنطرا وتشقاد كنطبرات اني كيني قريبا نعرف Mais Wagner, c'est bon, c'est ce qui est avancé comme élément. La chose, l'un des éléments, tu fais les éléments. L'un, en fait, ça fait le Huawei. Le général partage à Guin, ou les Mira, ou les Sara, ça se met à dire comme des idées. لكن قال له الجنرال توفيق il n'a pas la puissance qu'avait le général Toufik pour rester dans l'ombre اتما ما تولي لا دراما تولي نشتاقين dans un régime عمل régime algérien qui repose dans le fonctionnement repose sur l'opacité notamment la police politique Donc déjà personnellement, cette machine a un peu de bon, l'apparition d'Inès, c'était lors d'une réunion des directeurs et des inspecteurs généraux de la police africaine. Cela se signale en tant que, c'est-à-dire que en tant que patron du DRS, il y aura le DRS qui il faut de ce Gounas, si cette idée. Il faut de souveraineté de le commandement militaire de Terbet Aguin, Saïd Bouteflika,
c'est ce qu'on a au fait. Cela veut dire que l'hégémonie externe de l'IRS a une rohasse par rapport au commandement militaire. Non. Le troisième élément, ce Avanigi et Idi Van Tartag, on se met à faire une excuse ou à des. Par rapport à ce qu'il y a dans le monde, depuis la fermeture de Touré. Non. Donc, Nantik Daima, tout ce qu'on a appelé les structurations, les changements structurels, et puis dans le monde, c'est un transfert de pouvoir d'un clan à l'autre. L'argument comme quoi d'un temps, les islamistes, les puissances étrangères et tout. L'affaire Nintig en Turin, le chabar a fait des fois après l'affaire Nintig en Turin, il a fait un chédé d'un dédic de général Tofiq, donc l'argument n'est pas, il y aura des liens. Sinakin, on a fait ce qui est bon, a été mis à la retraite, à l'époque de l'affaire, il était numéro 2 du DRS. D'ailleurs, ce qui est étrange, est-ce qu'il est numéro 2 du DRS, qu'il avait plus de puissance qu'aujourd'hui? Non. Et c'est ça, et c'est paradoxal. Donc, il y aura des. كمل الشغال فن ولا طاحر توفيق ومن بعد ولا فوطين في لا لوا دو فين دو فينونساكين 2016 دايور اون لامبرسيون كو لا لوا دو فينونساكين سي مارك لا فان دو ليبيسود كي ا كومونسي افيك سيغين تورين اون اتوندون ان اوتر ايبيسود c'est une loi qui a consacré le nazisme, qui a avalisé l'abandon de la souveraineté nationale sur les échanges, sur les richesses du pays au profit des puissances étrangères et des multinationales. Non. Hassan. Donc, نعم نعم نراك هضرند وسنلقي داير ميم سعداني اللي هضرت في الناس ويناد باللي انفدل سي الدوله لاسكار الدوله يعني السيفيل نغانيتا ميليتير ليتا سيفيل هضرت في الناس ديجا اسك والساكين هضرند ذكرى الجران نن باللي ثبني ثقي ديفان جنرال طرطاق يعني باللي سي ذينث ذبد لارفدلن سي ليتا ميليتير ليتا سيفيل ذا شو كنتي تسمو قولو دوكول شاكي يدرا اذنيا كي ديفان دغا ذا نشتاكي كان راه يبدلن دان كوتي على لوتر غراب نكوني نخدم مانيفيست باتريوتيك بور لا سيتوان الجيريان بري من نوفمبر نيادان يقدنا نظر في الكانيباليزم دي كلان كل كلان يصير من فريال La légende du clonnier, elle se nourrit de la légende de l'autre clan qui a été vaincu. C'est-à-dire que, durant Saïd Ben Yegilad Berdaran, qu'on a dit, c'est un chéquard dans l'état civil. Bon, il faut mettre du contenu à ce concept. Qu'est-ce que l'état civil? Et surtout, qu'est-ce que l'état civil sans la légitimité populaire? Nous rappelons. نضرب اللي الشغال امشي قلحوا الحكم دي تمورس امشي تسلحوين دي تمورس تسلحوين تبرا لا كونستيتيشن تسلحوين تبرا لا كونستيتيشن امشي فرقا دارونت بتروليال دي تمورس دانيا برا لا كونستيتيشن برا لا كونستيتيشن دونك ديجا يفو ريغلي لو بروبليم اكي دو ليكزارسيس دو بوفوار des deux souverainetés politiques et économiques et les soumettre à l'autorité de la Constitution et les remettre dans le cadre institutionnel. Un petit soir de mon chagrin.
هذا سوا مواش تاكي هذاك ليليكسيون دون اسامبلي كونستيتيونت. نعم. مي اذا ولاش ودي هضر ولاش ودي هضر في لا رابيتاسيون دو لا ليجيتيميتي بوبيلار هذه سوا هذه واحد الحكم سي قال لي فاس نيشان افيك ليليكسيون دون اسامبلي كونستيتيونت ولا لا شو ديال سيفيل قايل. نعم. لا سول شوز كيا سي كو زيش du DRS exercer une hégémonie et tout là, le gadi tu auras le mouquin DRS. Et encore, il y a autre chose. C'est que, après ces séquences, le gadi s'est dit que le gadi n'est rien que le commandement de l'armée et que ça va le bien à tout faire. Alors que c'est faux. C'est faux. Les changements qui ont eu lieu ont été dictés par les puissances étrangères après l'affaire Siguin-Turin. Une affaire de Zichtouf et Karak, il jouait sur l'impératif sécuritaire, voilà, sur l'impératif sécuritaire par rapport aux islamistes. Ils ont joué sur l'impératif sécuritaire économique. Ils se sont montrés les plus offrants sur ce plan-là, vis-à-vis des États-Unis, France. Et vous regardez bien. Ils ont composé avec eux pour, et ça s'est soldé par l'éviction de plusieurs des centres du pouvoir. حسن كمان كوني نزرع غير كل ذي الدنيا مرة ما ين للشونجمون كي سيرتو يقرا يجي ام قران نولا بار اكزومبل دي امريكان دي غريز بارتو ان تي بو بارتو دي الموند باللي ما راكسن وين راكسن اتحاسب الناتي داوين واتحاسب ذا شو تخدمض ذا شو قلهان ذا شو النهاره واد هضر الفلاس وين كنا ندرن دوك مكانيس كيف كيف هذا هضر الفلاس اشي ميتي بون سامكانيس سامكانني ذا شو ايتي جنر مي بود رمي دي بو سامكان نكون يثمرت الجزائر ولا باللي تساكس لي مينيس راكني سني هو تساوين لي مينيس راكني سني هو كسن ريسبونسابل الدارس يكتفن 25 سنة فوق الرول الدارس بلا ما حوس بنت بلا ما يعني ما نزرع ذا شو خدم ديورون لي 25 ان بون دوازنين ارساق فوق الرول الدارس بلا ما نزرع يعني ذا شو يديرو حادي خدم ذا شو البروغرامينس ذا شو البرنامجينس يعني مكي تولي التمثال كتير نجح حسن نغاش اشتاقي مدني لك في مولي لقيا للديمقراسي ومش مالك لقرون ديمقراسي يوا شو مثل نتحسب انت خطر ليا لنا الكرمونس بوليتيك دي البوار وسان دي بوار مي غورنا نكوني سي تي الكرمونس كرانيك كلشي تروحو دي تيليا سي رابور دو فورس اونتر كلون ومن بعد يا ان كيستيون كي سونترال D'ailleurs, c'est une question qui a été posée notamment par le professeur Mohamed Narkoun. Il y a une question de légitimité. Qui est légitime, qui a la légitimité parmi les gens qui ont exercé le pouvoir. Donc, la seule façon de réhabiliter cette notion de légitimité, c'est l'élection d'une assemblée constituante. Les normes, mais bon, ils ne vont pas travailler dans ce sens. Ils ne sont pas prêts à travailler dans ce sens. Ce régime est inapte à toute réforme. Il est inapte à toute réforme. D'ailleurs, Sbihi Kanad a dit la terre par rapport à la loi de finances qui est en 2016. Il est député, il dit qu'il y a la loi contre cette loi. Il dit que c'est la PN. La démission dans ces conditions dépasse le cadre politique. C'est une question de dignité. Ivan Blix, la loi Yagin, la PNG travaille pour le régime contre le peuple. Donc, on dit que voilà. On dit que voilà, avec un Vladim de connaissance de la PNG, on dit que le Vladim a dit sa taf les indemnités de députés dans le cadre d'une loi qu'il a contestée et au sein d'une APN qui a voté cette loi. C'est une loi antinationale.
c'est une loi anti-nationale et c'est une loi qui est contre la patrie. C'est une loi qui remet en question le présent et l'avenir du pays. بارك الله فيك حسن كيما قدني غتنمر قدني غتنمر تم قرات اف ثمغلي يجينك وفرايجين اذا غد فكيض تكتشي ادي لنا كودنا سي فرنسا سي فرنسا نحل الجزائر عندي قلق مثلا كريم كبير وجين ذا نغماس ذي غوميس ليبرتي سينير دي تزوار مرحبا يسك عسلامين كريم اكما كريم مساكين قرميس تمورت من الجزائر مران هضرند في جنرال ترطاق جنرال ترطاق نتسان إذا مقران الدارس ثورة هضرند في اللاسي ميديفان يمين وريخ دي مرام ما كنك خدم ومزوارون جنرال توفيق دي تزوارا ثورينك يا حسن سمحين كريم ما ذي قنشتاكي كريم يدي كريم شكرا كريم يجزمك ويس الخيض ان شاء الله كان ديوغال غورنا انا راجو ان شاء الله سيري ميرنين بغا كان ادنا هضر نسلا ديك مثنا حسن لوصيف ذا شو دينا فين يعني جنرال طرطاق جنرال بشير طرطاق امين ايديفان نكينين سي الجهه وغي غزره يعني تقاقين ذي سقسي نارس سقسي غياد راه إمي ديفان جنرال طرطاق يعني إيفاند إيوكدو ذا جزائريين إيفاند يعني جزائريين يعني أنشتاقير كلين أنفاقسي سي الحكم الأسكار أروين السيفيل وقيل يغالى دورنا مثلا كريم كريم بيدي مس الخير كريم سليل دي سقسي نوناك دي داودة أموتي أكثي داودة كريم نعقد أساقين هضرن يعني لا بريس براتيك موير كلين ثقادين ولا صبحاقين هضرن دا في جنرال ترطاق إمي ديفان إمي يعني لي جورناليز زمرنا تفن دي فوتو زمرنا تفن يعني دي فيديو ينس اتسيتيرا دونك يتقارن باللي الحاجة قلهان إمي الدراسة يفقد سطلام ارتفاث ان داكدو دا جزائري اثي والين اثي والين ام قرانا كين كتفن ثمورث الدراسة بلوتو ويظني نند باللي انشتاقيس يفقند باللي الجزائر تفقد فاسي الحكم العسكر الحكم السيفيل لتا ميليتير لتا سيفيل ختيني يا كريم ام كيت ولاد ثم سالت شوف لا كيف C'est-à-dire à première vue, yani, c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire par rapport au général Toufik, yani, c'est-à-dire pratiquement on n'avait aucune information, c'était le secret absolu, au point il devient mythe pour les Algériens, on a un souverain. Donc aujourd'hui, on peut interpréter yani, l'apparition d'un Tartag, c'est une façon yani, de changer d'abord sur le plan symbolique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un yani, qui est un responsable, peut-être presque, bien qu'issu de l'institution militaire, mais pour donner l'image, soi-disant, d'un civil yani. Comme ça se passe ailleurs dans les pays démocratiques, le patron du renseignement, Sint Rachid, donc ils ont une figure de lui. Et donc, c'est-à-dire qu'il est accessible, voilà, c'est pas qu'un fantôme, mais c'est le Hadji Ali, c'est le Sakhla Al-Mitten. En même temps, le deuxième message qu'il veut passer peut-être, c'est celui de Zama. Dans le discours qu'il donne, c'est-à-dire pour donner du crédit, mais c'est vrai, en fait, d'une vers un état civil. Personnellement, je suis encore c'est-à-dire sceptique, yani. Je ne suis pas de ceux qui croient subitement
يعني دي جود دي مثلا كيفقا بين عشيق وضحاها لسيرفيس شمن سخان وغن يزبيس البوفوار بوليتيك بيرسونيلمون جو نكريا با ستادير لو جور او لي سيرفيس دو لانسينيمون ستادير لور فونكسيون لور بريروغاتيف c'est-à-dire qu'ils doivent être institués, c'est-à-dire la communauté dans une loi, ils obéissent à un règlement et sous l'autorité d'un pouvoir démocratiquement élu. C'est-à-dire qu'ils obéissent au pouvoir politique. Sous lieu-là, on peut parler réellement de l'état civil et on peut parler réellement de le service de renseignement dans ses véritables fonctions institutionnelles et un gars, il obéit et il rend des comptes au pouvoir politique. Or, aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas de figure, mais vraiment dans un fonctionnement opaque, yani, un gars, on ne connaît pas tous les dessous de ces affaires qui se passent comme ça autour des services, mais autour de leur rôle. Parce que quand même après 50 ans de pouvoir yani, opaque, l'un des plus opaques de Nice, c'est pas du jour au lendemain qu'ils viennent yani, en deuxième et qu'ils viennent de lui faire le chemin dans le pouvoir civil. C'est pas vrai, ça doit passer par beaucoup de choses. Barakalaf. Karim, donc d'après les choses, il fait un mars, Gouali. Le problème d'Il Zahir, ce n'est pas le problème où il n'a pas de changement de figure, il y a un changement de personne, que ce soit un ou un, le problème est réglé. Donc le problème d'Il Zahir, c'est la légitimité du pouvoir. Absolument, absolument. C'est ça le problème fondamental. C'est-à-dire que aller à l'état civil, c'est d'abord passer par des institutions légitimes. Or, on n'est pas dans le cas de figure. La valeur de ça qui le montre, c'est qu'aucune institution n'est légitime. Même les gens qui sont dans leur responsabilité, ils ne sont pas légitimes. Donc, le pouvoir civil, ça passe justement par là. Alors d'abord, aller à des institutions légitimes qui doivent être issues d'élections démocratiques. Or, nous sommes loin encore de cette situation. Là, ce sont des personnes qu'on change, que ce soit révolutionniste, mais c'est toujours le même personnel qui est privé dans le même monde qui était dans ce régime depuis... depuis 50 ans. Donc, c'est pas yani, un changement qu'on peut convaincre l'opinion. D'ailleurs, tout le monde est en train de regarder tout en se demandant yani, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en vérité, c'est pas un acte du jour au lendemain et qui peut vendre l'argument de l'ITFM, enfin, ils sont dans un pouvoir civil. Sans passer yani, par des élections démocratiques transparentes. Un bel pouvoir, réellement, la souveraineté revient au peuple algérien. Et celui-là, donner de nouvelles institutions, donner les services doivent obéir à des institutions légitimes et à ses fonctions définies dans une loi. Celui-là, on peut parler d'un état civil. نعم أكلمة كما أسقسين وانقروا بشكل وكتصطفها رانطاس نوالا سكي سباس دي لالوا دي فينانسيا جين 2016 تجد تجين نوالا ليز إيكونوميس يعني وقاد يمسنون ديه ذامسا إذا شو ده هضرنا فنش تجين نوالا باللي وسنجين بذاني الغاشين لتفغنا مسحب لسوناكم لنا طاس بوذ لزنسينيون اتسيتر كتيني نمكي تواليض أكريم 2016 يعني أسقو سقا جديد الذي لحون صلال ويقي تجديد وين تسمي ستدريم شوف دينار سنصر تريتر ديفيسيل بور لي زانجوريان دابور باسكي صافي لونتون كيزون تي c'est le dinar banknik dans la distribution de la rente. C'est une menace. C'est
c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort, donc ils ont, si vous voulez, une forme de corruption yani, à grande échelle, même les jeunes à travers les programmes français, tu peux squatter des trottoirs et faire le commerce sans être inquiété. C'est-à-dire il y a tout ça, on a habitué une bonne partie de la population à mettre sur les biens et la machine, que demain, avec les retombées de la crise, avec l'augmentation des prix, les salaires et les gens vont souffrir. C'est-à-dire c'est là-bas qu'il faut s'attendre à on risque d'avoir des soucis sérieusement sur le plan social. Et là, on peut assister à un retour de la tension sociale, des revendications, les gens vont manifester. Et on a vu des chemins avec la maïs et les filles. Mais on le verra encore quand le jour où les gens vont commencer à ressentir les effets de la loi de finances dans la réalité de tous les jours. D'ailleurs, il y a certains qui commencent à ressentir cela parce que je m'enseigne les mêmes prix. Imaginez que dans 6 mois, 7 mois, ils ne vont pas soutenir les formés. Et en même temps, la majorité des Algériens, c'est-à-dire en France, il y a un pouvoir. On accable d'avoir volé l'argent des Algériens. Donc, demain, il n'aura pas les moyens comment maintenir cette paix sociale. Et c'est ce qui va ouvrir la porte à des risques de dérapage. C'est des problèmes sur le plan social. On a des tensions sociales que le pouvoir aura du mal à gérer. Et ça ne sera pas avec la répression qui va arrêter la contestation. نعم بارك الله فيك كريمة جماعة أقدني أختن ميرتم قرات في الرايقين غافث مولياقين إينك وقدني بارك الله فيك نسلد إجمثنا حسن لصيف نسلد داني إجمثنا كريم كبير ذا شو دنان وذي سيني سن يعني أهضران دوف كان ثمولين سن وبظن نرمي دنان باللي المحنة تمورثنا الجزائر ذي المحنة وينث الشرعية أن الله ليجيتيميتي إما وقذي قلان فوق الرو تمورث وقذي ليسي حول تمورث ذويذ ونخثرارا وقذود ذويذ ويعني إيدي روحا يعني سكركاس سكذب سويناس سالجهد سالقوة وقذي الناد باللي أريز مرارا وزميرارة مورث أتسلحو ما إلا ويذي تطفن ماشي ويذي اختار ويذوذ أما كني زرا مني غد بلين نسعان اللي فقونا ناضي ثديانت الساقيد غني أنروح صور يعني كريم كبير أنو حارق مثلا داود وقي ديوني قدشن دي السرسيث وديون أمسنا ودي ثريم ثسيني غدي ثزورا سيني مرحبا يسك عسلامينك سي داود. السلام عليكم سي حميد، مساء الخير سي داود. اول يعني سؤال سقسين ونم زوارون يعني امك اثغريت كتيني نولاير كلين لا بريس تهضر داف طرطاق مي ديفان تهضر داف طرطاق مي ديفا ارتفات جزوزه جزائري يوركي سنيث يوركي ولات ماشي منك نقلان قبليس جنرال توفيق بغي غزرا كتيني ثمولينك نا ثورينك تقونشتاكي سي حميد دو جينيرال طرطاق عثمان بشير اكسترا الياس اوكوبي لا فونكسيون دو كونسيي دو بريزيدون اوفيسيلمون بار ان دوكري نون بوبليابل اي تي كونسيي لا بريزيدونس لوس لو جينيرال توفيق تي انكور ان بوست هان دونك ان كونسيي نو بورت با تنو ان بوست اي بي بورت ان تنو سيفيل اي او مومون او لو جينيرال توفيق تي بريزيدون تي تي شيف دو ديبارتمون دي رونسينمون دو سيكوريتي On n'avait jamais vu le général de Tartag en public. Hein. Maintenant, aujourd'hui, où les gens disent nous allons vers un état civil, ils veulent, si vous voulez, dire au monde c'est la fin d'une époque, il y a une nouvelle époque, nous sommes en train de changer, nous sommes en train de devenir transparents, nous ne sommes plus brésiliens. Ils veulent un petit peu aussi diminuer de l'importance qu'a prise le général Toufik pour dire que c'est un gars qui avait des valeurs usurpées. Il n'était rien, on a surestimé. Ce sont les propos de Saïd Aïni.
qui parle au nom des autres, c'est des autres qui l'ont dit. Donc c'est pour un petit peu le réduire à sa simple expression, l'humilier. Non seulement on t'a chassé, mais on te, voilà, on monte le général. Mais Tartak est un bonhomme qui sait embrasser les mains, il n'a pas la même personnalité que Toufik. Donc on lui a demandé de se montrer en public, il s'est montré en public. Lui aussi, moi je n'avais jamais vu sa photo avant, ni en civil, ni en militaire. Donc c'est une, comment dirais-je, c'est la poudre aux yeux qui est destinée à la consommation étrangère, à la consommation nationale. Nous sommes en train de changer, regardez, nous allons vers un état civil, le DLS n'a jamais rien servi à rien que vous opprimer, et voilà les nouvelles propositions que nous formulons. Voilà ce que mon interprétation en moi. Hein. Non. Gmathnard Daoud, هضره غاكوذ ماس كريم كبير يمثنا حسن لصيف وقاعد يدينا ماس ديسينيسن ونن دي سين باللي يعني المحنه تمورتنا البروبليم ديال الجيري سي لا ليجيتيميتي يعني لو كان ديت الشرعيه ديت مورث سالين الحاله غتسمحوا ماشي ذا بدل كان بوذ ماون باش كند نفاسي ليتا ميليتير على ليتا سيفيل ام كي تولد كتشيني يمثنا داود Mais il est bien clair que l'analyse, si on remonte, l'analyse, on a pris un très mauvais tournant, un virage dangereux en 62. C'est l'armée des frontières qui a fait un putsch contre les autorités qui étaient désignées, c'est le GPRA à l'époque. Hein. C'est Ben Khedda et Farhad Abbas, etc. C'est deux gens qui étaient étrangers à la révolution, qui n'ont rien fait, qui ont pris les pouvoirs. Ils sont venus sur un char. Et ils sont emparés de la présidence de la République, etc. Aujourd'hui, ils ont fonctionné avec des intellectuels de service, etc. Le pays a été déformé totalement dans tous les secteurs, hein, l'agriculture, l'économie, etc. On est arrivé à un résultat où l'Algérie ne sert plus à rien. C'est un pays qu'il faut détruire, il faut une refondation. Il faut recréer, il faut repartir à zéro. Comme si on avait... Il faut repartir à 62. Le mal est très profond, c'est la gangrène. C'est la gangrène dans tous les domaines. Donc ce n'est pas simplement un problème de faire partir M. Bouteflika ou de faire partir le général Toufik, c'est de revenir carrément à l'Assemblée nationale constituante, à une élection pluraliste où le peuple choisit, revenir à des gens qui sont capables, qui ont la probité, qui veulent aider ce pays, encourager les jeunes, enlever ces lois scélérates, qui n'encouragent pas le développement de ces pays, installer une véritable justice parce qu'il n'y en a pas, réencourager les gens qui ont quitté ce pays, certains sont morts mais d'autres sont encore vivants, il faut refaire le chemin inverse, il faut à partir de l'arbre des causes. L'arbre des causes est une méthode qu'on utilise en maintenance, etc., pour chercher les causes du mal. Il faut revoir l'arbre des causes et revenir vers tout ce qui a été à l'origine de cette catastrophe pour l'annuler et le remplacer par quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un problème uniquement de... Parce qu'on a beau enlever Bouteflika et on la ramène dans un de l'autre, on continuera encore 20 ans. C'est vrai que on est passé par le système brejnevien. Toufik est un... Poutine est plus transparent que Toufik. Poutine, qui était du KGB, est plus transparent que Toufik. On est passé par le système brejnevien, mais aujourd'hui, les choses ont donné, on fait semblant de changer, mais on ne change pas. On ne change pas. Le président de la République est le président qui a le plus de pouvoir sur la planète. Nam. Sida Oudmaïa ? يعني لا كيسيون سويفونت يعني الا تنجم نتايا اسكو فو بوفي باريي سور ان شانجمون دو ستيل يعني سور لا باز دون اباريسيون بوبليك تاع طرطاق ما نضلش سي تاني في دانونس ما نضلش سي تاني في دانونس اون فو كروار اوز الجيريان كون على انتونسيون دو شانجي سا نو شانج ابسولومون ريان سي تي ان ايفي دانونس pour voir que nous ne sommes plus brejneviens, c'est transparent, le DLS, etc. Ce n'est pas l'apparition de Tartak qui va changer quoi que ce soit, puisque ce monsieur est déjà apparu dans certaines circonstances. Hein. On n'a pas annoncé son nom, mais il y a des circonstances où il était apparu en tenue militaire. Non. Sidaoud, la question est de la question, on va revenir sur Tartak.
ندخلوا في 2016 يعني في لا لوا دي فينونس تاع 2016 ويعني كيفاش راك تشوف انت يا 2016 بلا لوا دي فينونس هذه الجديده؟ Écoute, il y en a décembre, il reste quelques jours pour 2016, non. pour 2016 bien sûr. Déjà, les commerçants ont augmenté les prix, déjà par eux-mêmes, par un réflexe. Par un réflexe, les grossistes et les commerçants ont augmenté les prix. Il y a des gens qui sont en train de retirer leur argent des banques. Et, les devises qu'on commence à se raréfier, ça c'est des choses dont on a parlé avec vous, les Hamid, il y a 4-5 mois. Non. On a dit on va voir début de l'année prochaine. Non. Les choses vont aller de mal en pis. Pour la valeur du dinar, pour le prix du pétrole, pour les rentrées. Les gens vont sentir, les autorités, les policiers, les douaniers, etc., vont sentir un petit peu, parce que vous savez, les Algériens réagissent quand on touche leur portefeuille. C'est, quand ils sortent dehors, c'est pas pour réclamer la démocratie. Les gens de Rouiba, quand ils sont sortis, ils savent qu'ils n'ont pas de plan de charge, ils ont autorisé quelqu'un à importer 1000 bus. Ils n'ont pas été payés 3 mois, ils ont bougé. C'est vrai que Rouiba a des traditions syndicales, etc. C'est la même chose à l'Hadjar, c'est la même chose avec les universitaires. Moi, je vois un 2016 houleux pour le régime, mais malheureusement, il risque d'y avoir de très graves dérapages qui vont avoir des conséquences sur le pays, quoi. نعم سي تاود رانا نشوفوا يعني مازال ما بداش العام الجديد انا نشوفوا يعني لا ريبريسيون برا شفنا باللي صحاب لا سين في كيخرجوا لي زونسينيون كيخرجوا لي ستوديون كيف يعني في ظل كاع هذا يدرى ليتا راهي توجد يعني لا سوليسيون سيكوريتير n'est pas un homme dans le raffolement parce que ils ont commencé à comprendre que le régime n'en a pas pour très longtemps. Je suis certain que beaucoup d'entre eux ont préparé leur avenir, hein, l'avenir de leurs enfants, etc. Non. Et malheureusement, dans leur inintelligence, au lieu de raisonner, d'essayer de négocier avec le peuple, de négocier avec la CNTLD pour essayer de voir une manœuvre de transition, et c'est la loi du Khazoul. On sort l'armée, on sort la gendarmerie, on sort ce qui reste du DRS pour essayer. Mais c'est la mauvaise solution. C'est la mauvaise solution. Parce que même au sein de l'armée, de la police, etc., etc., hier, d'ailleurs, ils ont arrêté le chef de département de l'ULS. L'ULS, c'est une unité républicaine de sécurité. Au moment où ce monsieur, il y avait la grève de la police. Donc même ceux qui sont chez eux depuis 3 ans, on les interpelle. Il y a des mécontentements même dans les forces de sécurité. Et la solution de la castagnette, d'attraper les gens et les mettre en prison, on ne peut pas mettre 40 millions d'Algériens en prison. Non. C'est impossible. On ne peut pas mettre les 7 millions d'Algériens qui sont en Europe en prison. Ce n'est qu'en dialoguant, en acceptant de dire nous avons échoué, nous partons. Ils devraient demander des excuses au peuple algérien après avoir dilapidé 1000 milliards de dollars. Ils devraient demander des excuses au peuple algérien et partir en rasant les murs, parce que tout ce qu'ils le laissent, c'est tout. Malheureusement, ils n'ont pas compris, ils veulent utiliser encore la méthode de la force. Non. Si Daoud Fima, il y a un chili rahi, sera d'orque de Zaire. Ma هو الدور, يعني, quel est le rôle تاع les partis politiques في الوقت هذا بعد؟ سي حميد ما سمعتش لا دينك سون تاعك ما سمعتهاش قلت لك في الوقت هذا الحالي هذا وين رانا نشوفوا باللي واسمو السيستم في الجزائر راهي لا بيردو اكيليبر ونشوفوا الحاله برا كيفاش راهي بدات تزغد ما هو الدور تاع الاحزاب السياسيه الاحزاب السياسيه انا نظن الا ما لقيناهمش هذه المره ما نسحقوهمش من بعد وما نلقاوهمش من بعد Ils devraient un petit peu sortir de l'éthargie d'Ahom et accélérer les choses. Au lieu de fixer des rendez-vous et de discuter du sexe des anges, quand on voit l'initiative du FFS par exemple et celle de la CNTLD, les deux initiatives se ressemblent. Mais il y a un problème de leadership. Le FFS n'a jamais accepté que quelqu'un d'autre fasse l'opposition à sa place. Il n'y a rien d'autre dans le document, c'est le même document. Il faudrait qu'ils dépassent un peu leur devise. C'est urgent, il y a le feu à la maison. Il y a le feu à la maison, on n'essaie pas de voir qui a mis le feu. On éteint le feu, et puis après on verra qui a éteint le feu. Donc l'initiative de la CNTLD devrait être rapprochée, au lieu d'être programmée au mois de février ou je ne sais pas où est-ce. D'autres personnalités qui n'ont pas participé
ou à CNTLD et d'autres partis devraient rejoindre, même ceux qui se sont trompés par le passé. On a vu dernièrement des députés du FLN rejoindre les députés de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale à l'occasion de la loi sur les finances. Finalement, il y a eu plus de 100 députés qui ont signé le document qui devait être envoyé au président de la République. C'est-à-dire qu'il y a même au sein du FLN, il y a des gens qui, quand on les sensibilise, ils reviennent, ils savent que ils ont compris qu'on était en train de vendre l'Algérie. C'est ça la question. Non. سي داود كان ناس يعني كان فيهم اللي تكلموا وقالوا باللي قلت لك كان فيها اللي قالوا باللي لاباريسيون دو جينيرال ترطاق جات باسكو كاين ناس من برا بار اكزومبل فرنسا بار اكزومبل امريكان هما اللي يحبوا الاشياء يعني تدور بعد لو اسمه بعد الكيفيه. C'est Hamid, le général Tartag, en tant qu'officier supérieur de rang, l'image qu'il a à l'étranger a été négative. Vous savez qu'il était l'un des bras droits du général Toufik, c'est lui qui était chargé de l'opérationnel. L'opérationnel, au résultat des courses, il y a eu 200 000 morts, monsieur Hamid. Hein. Non, mais... Lui et d'autres, à l'extérieur, vous savez, il y a des pays qui l'ont arrêté. Hein. Donc que la France ou les États-Unis. Disent M. Tartag doit apparaître en public, moi ça me paraît un peu bizarre quand même. Hein. Parce qu'il n'a pas bonne presse. Hein. Okay. Il n'a pas bonne presse. Le fait de se montrer comme ça, c'est quelqu'un qui est connu, hein. C'est expéditif. Je ne vois pas sincèrement l'apport de la France ou de. Il se passe des choses bizarres au niveau de la présidence de la République et des cercles concentriques qui sont autour. Il se passe des choses bizarres. Non. Si Daoud, on a un peu de pratiquement dans le monde entier. Nous avons les chefs des services de renseignement. Tu m'as dit, Sidaoud ? Allez, je vais. Par exemple, dans les autres pays يعني, qui se respectent, qui respectent la population, les services de renseignement, يعني, les chefs des services de renseignement, ils sont connus. وكين حي واحد باش يجيبوا واحد اخر في بلاصته وهذاك اللي تنحى يجوز الى كان في امريكان يجوز للكونغرس يحاسبوه يشوفوا واش دار واش ما دارش وهذاك اللي جا جديد كيف يعني يهضروا ويقولوا علاش جابوه واش يعني دار باش خلاه يلحق البلاصه هذه. حنا في الجزائر ما شفناهاش يعني جابوا وزير نحاو وزير حاسبوه جابوا وزير فهموه علاش جابوه نحاو توفيق جابوا طرطاق والامور تمشي بلا ما الشعب يعني يكون شريك في العمليه. سي حميد je ne vous apprends rien. Vous savez que durant la révolution algérienne lorsqu'il y avait le MALC le ministère des armements et des liaisons généralisées cette pratique d'ailleurs les anciens officiers de l'ALN ces autres du renseignement avaient tous deux prénoms. C'est Mabrouk, c'est Khadour, c'est Al-Arbi, etc. Yeah. Donc on pouvait discuter à l'époque avec le chef du service de renseignement du Mali sans savoir qu'il s'agissait de lui. C'est une pratique qui est venue de la révolution. Les Moudjahidines de l'époque, celui qui a assassiné Al-Aban Ramdan, vous pouviez discuter avec lui sans savoir que c'est lui. Cette pratique a été reconduite par l'armée des frontières au niveau des services de sécurité. Même Qasim Erbah, avant qu'il n'arrive sur la scène, personne ne connaissait le visage de Qasim Erbah. Les pays européens, américains, avaient des longueurs d'avance dans ce domaine. Le renseignement est devenu une affaire tout à fait ordinaire, parce que le premier espion d'un pays, c'est l'ambassadeur lui-même. C'est l'ambassadeur, je suis chez vous, mais je fais mon boulot, mais je fais autre chose. Non. Les renseignements ne sont plus cette histoire de se cacher, de montrer notre visage, etc. Donc moi je pense que on aurait dû dès le début banaliser cette fonction qui était une fonction parallèle et qui menait, c'était des faiseurs de roi. À la limite, même si le pouvoir actuel essaye d'en tirer profit pour dire c'est moi qui suis à l'origine, il était nécessaire que nous ayons un chef de service de renseignement civil, et qui rende compte devant l'Assemblée nationale, devant de son budget, devant le Congrès, etc., etc., et qui participe aux colloques internationaux pour devenir un pays normal. Mais nous ne sommes pas un pays normal. نعم غروسو مودو سي داود لو بروبليم ديال الجيري ماهوش مشكل تاع وجوه بدل وجه تجيبه وجه جديد ولكن المشكل تاع الجزائر هي الشرعيه لا ليجيتيميتي لا وي
تسمعني؟ علي نسمع وي وي. نعم، قلت لك دونك القضية يعني كي بعد ما سمعنا واش قلت نوليو للكلام باللي المشكل تاع الجزائر الحقيقي ماهوش في الوجوه الجدد اللي يجيبوهم ونحي هذا جيب هذا، ولكن المشكل راهو في الشرعيه، يعني في لو كان كانت الشرعيه، لو كان كاين الناس اللي راهم في الحكم مختارين يعني اختارهم الشعب كان ما تلحقش الجزائر وين لحقت اليوم. الو سي داود. الو مونطوني. نعم ماني نسمعك، راك تسمع فيا؟ ماني نسمع فيك سي حميد. وي وي. نعم قلت لك المشكل تاع الجزائر اليوم هو مشكل الشرعيه، لا ليجيتيميتي. نعم. دونك كيفاش تشوف انت باش تعاود تولي الشرعيه يعني سي داود؟ باش تعاود تولي الشرعيه في وقت كيلي ان رابور دو فورس كي سوا ايكيليبري بور كو لو بوفوار كومبرين كي فو ريفونير كي ديتيان ديك دان بيي كي ابارتيان ان بوبل il faudrait que ces clés retournent aux propriétaires. C'est le final de Fatah. C'est le final de Fatah. Et les Bergeons de Fatah. C'est nous qui sommes les propriétaires de ce pays. Nous sommes libres de les donner à qui nous voulons. Et donc, avec l'apport de l'opposition, nous devons faire comprendre à ce régime qu'il faut revenir aux urnes d'une manière transparente, en créant cette fameuse commission nationale de supervision, de contrôle et d'organisation des élections, et de laisser le peuple départager les gens, et c'est celui qui sortira vainqueur des unes qui gouvernera ce pays. Non. Mais là, apparemment, l'État actuel n'est pas prêt encore à subir ce genre d'action. Non. بارك الله فيك سي داود ثنمير تمقرات فرايقينك وكتموليقينك إذا ضفك إضافين يعني أنت ذي أنت بوساقين أما كنيت سلامي وثمث الناغي نفقون الناغ بوساقين يركو هذا رند يعني أيني دنان خاصة كني مكل وام كيتي دينا ولكن النان ديوث الحاجة النان باللي يعني المحنة تمورث من الجزائر المحنة وين نطلع ليجيتيميتي نان الشرعية وكذيك تفن تمورث ماشي وكذيك لقنا تستفن ذي قمي يثبط تمورث الساني يثبط الساقيل الجزائر تحواج الرويس الساقيل الجزائر تحواج وين راه تيطفن وين راه تيخدمن وين راه تيسالين من زرا تمورث الجزائر ماشي تمورث يخصن ولكن تخص الراي تخص وكاد راه تيحكمن دونك اسين قبل ملي قبل هذاك فوا كودون ولكن نشكر راس مثلنا غير ديكش منا كودنا غساكي ماس كريم كبير ماس حسن لوصيف اكد ماس داود ما كني اكون شكرا كون وين اكد كون نمثي يمي ثقيم مدف كمان اعتثم الزوغت بغي غادي نيغ بلي اول تللي نغ بوساكي اذي لين افتمسال تاقين جنرال طرطاق إمين إيدي ظهار إمين إيدي فان كون وذا غني أكد كون مثين الزمرم أد تليفوني موذا غديني من راين ونا فانش ثقين وذا غدفكن ثمو غلينون سيا أر نكيني يوم ديني غدجيخ كون دي لهنا سلام ربي ثم لي لي ثيذون أزكى لوانا إن شاء الله ذي ثذيان تتجديط ثمسالت ثجديط سيرمين لنا ذا ونديني غدجيخ كون دي لهنا سلام ربي